La créativité, c'est une aptitude de l'esprit. C'est une façon d'envisager les choses de manière un petit peu différente. C'est l'art de trouver des idées originales et efficaces à un problème préalablement bien posé. Pour moi, la créativité, elle naît d'abord des contextes. Et les contextes, c'est souvent être en contact avec des personnes ou des visions qui sont différentes de celles qu'on a. Ça touche tous les domaines. La créativité, c'est peut-être voir les choses autrement. Donc, c'est peut-être combiner des choses qui ne se combinent pas. Oser entreprendre. L'enfant est très entrepreneur quand il est bébé. Tout ce qu'il fait, c'est pas entreprendre, parce qu'il connaît rien. Il va à la rencontre de quoi ? De l'inconnu. Si on arrive à garder ça, cette flamme allumée, alors là, je pense qu'on a gagné pas mal de choses. Apporter un changement, ce n'est jamais facile. Au plus le changement est de taille, au plus ça peut être difficile. Creative People, c'est l'étincelle qui pourra mettre le feu aux poudres, parce que les outils de la créativité, nous, on y croit. Notre public est là et nous attend. Creative People peut nous aider à financer une partie du projet. Nous voulons justement apporter un plus et une valeur supplémentaire à ce projet qui fonctionne particulièrement bien depuis 10 ans. Nous voulons donner un plus grand rayonnement à cette dynamique art et science. Créer un réseau. Pas rester enfermé sur soi, venir montrer cela à des gens qui connaissent un peu la chanson, qui ont un autre regard, un regard plus économique, un regard plutôt sociologique. Enfin, je pense que ça va nous donner, j'espère en tout cas, les moyens de le faire, premièrement, et puis alors ça va être pour nos étudiants et nos enseignants valorisant.